Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Sawadee Mai. Aujourd'hui c'est le nouvel an en Thaïlande et il y a des cérémonies organisées un petit peu partout sur l'île. Je me trouve au temple de Wat Phalan, plus connu comme étant le port de Lompraya, à proximité duquel se trouve un très joli temple très animé aujourd'hui. Voici un reportage sur Songkran aujourd'hui à Koh Samui en ce 13 avril 2022. C'est parti! Je suis Emma, je propose Ban Sawadee Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Voici un peu l'ambiance au temple de Wat Phalan à Koh Samui. Alors il y a des stands où on peut faire pas mal de dégustations. Alors ici on m'a donné en dégustation des mets préparés spécialement. Ici c'est une boisson vraisemblablement à base de fleurs. Sawadee ka. Tout passa Ingrid Daimai. Yes. Well, what do you offer today? This is tamarind juice. Tamarind juice. Yeah. Okay. Araimak? Araimak. Okay. Would you like to try it? Yes, please, a little bit. Just a little bit because I don't have any hand available, only one. Do you know why you wear clothes with flowers? Of Thailand. This one is made from Thailand, right? Yes. The silk from Thailand. Voilà, c'est de la soie de Thaïlande. And can you explain me why people dress with flowers? This is colorful. It means life will have a grateful also. Grateful? Of the life. Okay, thank you very much. Yes. You're welcome. Ici, on prépare un dessert à base de lait de coco. Sawadee. Ma prao. Voilà, c'est à base de lait de coco. Ici, on propose du riz frit. Ok. Later. Ni Léo. Sawadee, Sawadee Pimai. I come back. I have this already. Voilà, toute la population porte des vêtements traditionnels, avec notamment des robes ou des jupes en soie. Ils ont préparé également des mets traditionnels, comme ici à base de coconut, de noix de coco. Hello.
Ici, cette personne montre comment filer le riz. Démonstration traditionnelle. Voilà, elle pile du riz. Ici, nous avons des personnes qui préparent un mets à base de fleurs de bananier. Ici, on vous offre des noodles qui ont été préparés. Coconut. I would done with coconut. Kakonka. Samui satay. Ok, kakonka. Voilà, ce sont des nouilles préparées avec du lait de coco façon samui. On y ajoute un peu de sauce. Quelques brins de soja, également de la papaye verte. Un peu de cacahuète. I can try. Voilà, on va goûter ça. Kakonka. Mi pat samui. Alors c'est un plat typiquement de Samui. La différence c'est qu'il y a de la fleur de bananier. Kakonka. Coconut, mint, mapleau, right? Okay. Voilà, ici, on nous propose de découvrir un dessert sucré à base de lait de coco et de sucre de coco. C'est vraiment délicieux. Voilà, elle nous dit que son crâne, c'est un jour de joie et qu'on peut venir danser avec eux. Je n'étais pas présente au moment de la procession bouddhiste qui s'est déroulée tôt le matin. En revanche, je vous propose une petite visite du temple rapidement. Thank you.
ทำอาหารหมดตัวทุกอย่างก็หมดน้ำหมดน้ำผมก็ใส่หมดแล้วนะครับทุกคนช่วยกันนะครับทำอะไรเยอะแยะนี้ขอบคุณครับ Voilà, c'était Emma en direct des festivités pour Songkran 2022 ici en Thaïlande à Koh Samui. Bye bye. Je suis Emma, je propose Ban Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île. À bientôt !